Myriam Kayser a consacré sa vie à travailler auprès des gens pour les aider à surmonter leurs traumatismes et leurs blessures intérieures. Elle connaissait des familles à Lac-Mégantic et lorsque le train a explosé, elle a senti le besoin d'aller sur les lieux pour apporter un soutien émotionnel. Il y a des gens qui, effectivement, vont parler qu'ils entendent des sifflements dans leurs oreilles parce que c'est un clou oscillé, des bruits, les cris des gens. On me parle de cris qui étaient très perçants pendant quelques minutes, puis un silence total ensuite. Ça, c'est des choses qui sont récurrentes, les images qui reviennent. Fuck, man, this is absolute crazy. Qu'est-ce que je fais? Il y a d'autres gens qui vont vivre de la détresse parce qu'ils vont me dire des choses comme moi, j'ai pris des vidéos ou des photos alors que j'aurais dû aller sauver des gens. Et donc, il faut remettre les choses en perspective pour les ramener à la réalité. Là, il n'y avait rien à faire, donc ils ont fait du mieux qu'ils savaient dans ce qui était là. Au cours de notre couverture journalistique du drame la semaine dernière, quelques résidents de Lac-Mégantic nous ont justement fait part du choc que le drame a causé en eux ou chez leurs proches. Je comprends un peu là, quand il parlait des gens qui ont des traumatismes face à un événement. Là, donc, je me réveille en sursaut, à courir, à voir des explosions. Ma petite fille, là, elle l'a vu, là, elle a 5 ans. Même si elle, pas, elle reste à Marston, donc elle n'est même pas dans la zone, rien. Mais elle a vu le feu, puis il va tout s'en venir chez nous, puis... Même si on dit que c'est éteint puis que tout est correct, là, qu'il n'y a pas de danger, ça y reste dans la mémoire. Là. On tombe un peu, on commence à décanter, là, mais on, tranquillement, on réalise. Puis là, de temps en temps, il revient des vagues d'angoisse. Une chance qu'on a beaucoup d'aide. Il y a des gens qui se promènent, puis quand ils voient du monde qui ont l'air troublé, puis tout ça, bien, ils parlent avec. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé quoi faire face à la mort, puis on ne peut pas faire grand-chose à part d'être très empathique, à part d'être très accueillant, puis par moments, c'est quasiment de pleurer avec ces gens-là. Là. Mais il y a tellement de gens qui sont les forts, les solides, qui, eux, vivent leur détresse d'une façon beaucoup plus cachée, puis on ne s'occupe pas de ces gens-là parce qu'eux autres sont forts puis ne sont pas touchés directement. Selon Mme Kayser, les résidents de Lac-Mégantic en ont assez de la présence constante des caméras et des médias. Quand on regarde ça extérieurement, c'est comme ça devient quasiment un divertissement pour eux autres, c'est pas ça. Ils ont tellement besoin de centrage, ils ont tellement besoin de retrouver quelque chose à l'intérieur d'eux sur quoi s'accrocher. Donc ça devient lourd puis ils veulent se pousser. C'est beaucoup, beaucoup ça que j'ai entendu. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.